et ensuite je te coffre. Ouais, si tu veux. C'est bon. Tu plaisantais pas quand tu disais qu'ils seraient nombreux. On peut dire ce qu'on veut sur Nels. Il donnait du boulot à la main d'œuvre locale. Guy. Guy, je t'entends à peine. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais ça s'en va aussi. Désolé, mais grâce à toi, on travaille sans filet. Dis-moi, Nick, tu crois quand même pas que je suis le seul sécurité de la ville? Non, mais t'es le seul que j'ai attrapé. Et tu m'as pas encore arrêté. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire passer ça pour de la complicité. Ouais, cause toujours, Stoddard. Va dans la salle de surveillance et cherche quelqu'un. Nick, Tomo Roboto, c'est la boutique de Nels. Ça manque pas de clients. Pas attendu pour le faire. Pas trop l'habitude. Dès qu'on sera sorti d'ici, on t'emmène direct à la police des polices. Bordel, vous avez vu ça?
vas sentir le cramer. C'est qui ce mec? Alors, Nick ? Sergent Carl Stoddard, vous avez le droit pour une fois dans votre vie de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé Mène contre ça, le tribunal. Ça suffit. Tout ce que vous devez savoir se trouve là-dessus, capitaine. Laisse-moi deviner, la guerre de la drogue, c'est sa faute. Et il a encouragé un gang à en buter un autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Excepté le sien. J'ai des preuves à l'appel qui relie Neltz à un inspecteur Ripou de Miami, mais ça reste flou. Je comptais beaucoup sur vous pour trouver la dernière pièce du puzzle, et vous l'avez fait. Merci. C'est quoi ce bordel ? Eh, hey, Nick, tu sais, je tiens à te remercier de m'avoir sauvé la peau. C'est du beau boulot. Va te faire foutre. Nick, non. Kai. La police des polices trouvera une liasse de billets dans votre appartement. $33,000 pour être exact. Précisément la somme que Nels avait retirée. Donc, la question est de savoir ce que vous avez fait du reste de l'argent, inspecteur. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Kai a été au charbon pour vous. Plus d'une fois. Pourquoi t'as pas pris ce putain de pognon ? C'est de ça qu'il s'agit, alors ? On aura essayé, Nick. J'étais certain de te trouver une place parmi nous. Maintenant, tu préfères jouer au preux chevalier, toi. Pas vrai ? Tu te berces d'illusions, fiston. Gueule, MacGuff. How sweet the sun. J'ai dit ta gueule. Descend, erect. Putain, mais ferme-la!
Non, et tu vas faire quoi? Me foutre en tôle? Like me. Hey, MacGuff! Ta gueule. Ne mêle pas de ça, Mendoza. Je vous en prie. Et bonsoir, inspecteur. Top. Ouais, on peut dire que tous les deux, on est loin de Miami. Hé hey, Milstein, ferme ta gueule. C'est sympa de te parler, Tap. Hé hey. Écoute, il y a un deal qui se prépare en ce moment, et c'est du lourd. Garde ça pour toi, je veux pas savoir. J'y suis pour rien, moi. Je suis que le messager. C'est Tyson qui Wow, attends. Tyson Latchford? Ouais, alors là, tout de suite, ça t'intéresse, hein? Ok. Voilà le plan à suivre. Oh non, putain! Tyson. Normalement, je devais te prévenir, mais... Oh putain, trop tard! Il s'est accroché à quelque chose, mec. Tap, c'est quoi ce bordel? C'est la fête! Combien de temps j'ai cette clé? Et t'as sûrement pas envie de savoir où elle a traîné. Qu'est-ce que tu fous? Dès qu'il aura fini de balader les flics, Tyson te retrouvera au château d'eau. Profite de la distraction. Attends, quoi? Fonce jusqu'au château d'eau. Hé, hey, attends une seconde. Où tu vas comme ça? Tu m'as pas écouté? Je parle pas chinois pourtant. Va au château d'eau. Fonce! Tu veux prendre un coup de jus? À terre! Police, arrêtez-vous! Bouge plus! Suspect repéré. Stop! Bouge plus!
J'en tiens un, juste là. Face contre... On cherche toujours. On le voit pas. Rien à signaler, PC. Ça pue l'ammoniaque et la piste de chat là-dedans. Ça doit être un labo de cam.
Tu vas avoir des questions? Qu'est-ce que tu fous ici? Et comment ça se fait que Tap avait les clés de mes menottes? Je suis ici pour toi. Tu devrais te sentir flatté. Tap m'a rendu un petit service. Il m'en devait une pour cette histoire d'écoute. Il s'est pas évadé avec moi. Tap? Pour l'instant, c'est la tôle qu'il lui faut. C'est le meilleur endroit pour se désintoxiquer. Je suis bien placé pour le savoir. Écoute, gros blaireau, je sais pas dans quoi tu m'as entraîné, mais hey, si tu crois que hey, je vais... Hé hey. Pour le moment, il y a quelqu'un à qui il faut que tu parles. Tiens, prends ça. C'est quoi ce truc? Tu vois là? Fais flasher ta lampe torche. 3 fois rapidement. C'est là qu'il faut que... Oh, merde! On n'est pas en sécurité ici. Il faut qu'on se sépare. Tyson? Retrouve-moi en bas et fais pas choper dans les frangeaux. Merde. Super ton nouveau look d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici, Tyson? Contente-toi de suivre. Tu verras. Non, j'aime mieux que tu me dises tout de suite. Commence par me dire pourquoi t'as cru que c'était une bonne idée de faire sauter le bus dans lequel j'étais. C'était une très mauvaise idée. Mais ça a marché. Allez, suis-moi. Bouge plus, putain. J'en tiens juste là. Tu veux prendre un coup de cul? À terre! Couche-toi, connard! Couchez-vous tout de suite! Police, arrêtez-vous! Je le vois, envoyez du monde! Prisonnier, au sol où tu prends du jus! Police, arrêtez! C'est pas vrai, c'est une putain de blague! Le transfert de Tap, la clé? J'aurais dû m'en douter. Des flics pourris, on sait quelle ficelle on doit tirer. Écoute pour ce que ça vaut. Je suis désolée. Donne-moi une bonne raison de pas t'en mettre une. Primo, je réplique. Oh, mais ça, j'y compte bien. Et Dozio? Julian Dawes.
Réfléchis un peu. Il m'a dégagé du business. Il t'a fait boucler et elle aussi, il a fini par la baiser. T'es à peu près la seule personne en qui on ait confiance. Confiance? Moi, j'y gagne quoi dans cette histoire, vous me le dites? Faut que quelqu'un fasse comprendre à Dose que son crime restera pas impuni. T'as toujours été du genre à traîner les salauds en justice, pas vrai? Et il se passera quoi si je vous dis d'aller vous faire foutre tous les deux? Oh, et bah, on ira se faire foutre. Ouais. Quoi? Et toi, tu remettras ton joli costume orange. C'est vraiment si dur que ça de choisir?